Bonjour et soyez les bienvenus. Composition de français pour les élèves de 5e année. Le fennec, el fennec. Le fennec est un petit animal, ou un hayawan, sarir. Il a la taille d'un chat. يعني الجسم تاعو كالقط. Il ressemble beaucoup au renard. يشبه كثيرا الثعلب. On l'appelle aussi le renard des sables. نسميه ايضا ثعلب الرمال. Cet animal sauvage habite dans le désert. هذا الحيوان المتوحش يعيش في الصحراء. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. يعيش في جحور محفورة في الرمال. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. الفنك يخرج لكي يتغدى على النباتات. Il chasse aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. ويصطاد أيضا الحيوانات الصغيرة مثل السحلية والأرانب الصغيرة. Avec ses petites pattes, يعني بأطرافه الصغيرة, il court vite sur les dunes. يجري بسرعة فوق الكثبان. نعاود قراءة النص. Le fennec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Il chasse aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. اختار الجواب الصحيح. Dans ce texte, on parle de. في هذا النص نتكلم عن la gazelle, le fennec, l'éléphant. Deuxième, où vit le fennec? أين يعيش الفنك? Troisième question, réécris la phrase à la forme négative. اكتب الجملة pardon, في النفي. Il est un petit animal. Quatrième, complète, akmel. Il ressemble beaucoup au renard. Il, beaucoup au renard. Hna عندna الفعل مصرف مع il du singulier. Rahin نصرفوه مع il du pluriel. Cinquième question, relève du texte un mot de la même famille que vitesse. استخرج من النص كلمة من نفس عائلة vitesse. يعني من نفس العائلة يعني عندها نفس الجذر. Sixième, sépare la phrase suivante. Groupe nominal sujet, groupe verbal et complément d'objet direct. يعني جزء الجملة إلى هذه المجموعات. Groupe nominal sujet, يعني مجموعة المجموعة الاسمية الفاعل. Groupe verbal, المجموعة الفعلية مع le complément d'objet direct. المفعول المباشر. Le fennec est un animal. Septième, trouve dans le texte le contraire de domestique. جد في النص ضد كلمة domestique. Production écrite, التعبير الكتابي. Ton école organise un concours de production écrite sur les animaux. Écris un court texte de 5 phrases pour le décrire. يعني المدرسة مدرستك ستنظم مسابقة لأحسن تعبير كتابي حول الحيوانات. اكتب فقرة قصيرة من 5 جمل لكي تقدم الحيوان. الحيوان راه مذكور في النص. نختار حيوان واحد. Emploie le présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier. يعني استعمل الزمن زمن الفعل صرفه في الحاضر مع الضمير الثالث ضمير الغائب اللي هو il أو elle حسب ما اخترت. Aide-toi de la boîte à outils. ساعد نفسك بالعلبة علبة الكلمات ولا علبة الأدوات. عندنا la première colonne فيها l'éléphant الفيل, le lion الأسد, la girafe الزرافة, le zèbre, حمار الوحشي, le dromadaire, الجمل. عندنا don, يعني في, il vit, يسكنو, il se nourrit, يتغدى, il a, عنده, c'est, هذه présentatif للتقديم. عندنا la troisième colonne, quatre pattes, أربعة أطراف, longue cou, رقبة طويلة,
une longue trompe, khortom tawil, des taches, boqa, des rayures noires, khotot sauda, des griffes, makhalib. عندنا le désert, يعني الصحراء, la forêt, الغابه. عندنا domestique, alif, au sauvage, mutawahish. La dernière colonne, عندنا les plantes et les feuilles d'arbres, النباتات واوراق الاشجار. وعندنا la viande, la viande هي اللحم. إذن هنا راح نخير حيوان واحد من هذه الحيوانات ونختار الكلمات المناسبة لها. Bon courage, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.